Et salut les amis gamers, gamers, et bienvenue dans ce samedi horreur. Si vous êtes là, c'est parce que vous kiffez les trucs d'horreur. Si vous ne kiffez pas les trucs d'horreur, partez tout de suite, parce que là vous allez avoir peur. Si vous n'avez pas peur, prenez du popcorn, mais prenez aussi quand même une couverture, ainsi que du coca ou autre. Bref, c'est parti, parce que si vous prenez pas de couverture, je vous le dis tout de suite, vous allez avoir des frissons. Bref. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour SCP. Qu'est-ce que veut dire SCP? Tout simplement, ça veut dire Secure Content Protect. Ce qui veut dire en français sécuriser, contenir, protection. Donc, sécuriser, contenir, protection. Pourquoi sécuriser déjà? Sécuriser, ça fait penser à un truc de genre. Genre, il y a un truc. Comme une porte qui protège, quelque chose qui protège, je sais pas, c'est bizarre. Genre, on essaye de sécuriser une bête, un animal, une personne, j'en sais rien. Bref, c'est vraiment flippant. Et tout simplement, comme vous pouvez le voir là, tout simplement, nous voyons comme quoi contenir aussi. Regardez, ils contiennent des choses étranges, des loups, je sais pas. Je vous jure, j'ai entendu un bruit bizarre. C'était flippant, et je vous jure, j'ai des frissons, regardez-moi ça, j'ai des frissons juste d'en parler. Donc là, continuez, regardez tous ces, ils contiennent des choses, des personnes, des trucs, vraiment, même des personnes, mais pas humaines, non. Et protection, parce qu'ils doivent protéger, tout simplement. Donc, par exemple, nous allons venir sur le site. Et regardez juste celui-là, il ne vous fait pas flipper. Je vous jure, j'ai cru le voir un jour, peut-être. Mais je ne sais pas si c'était lui vraiment. Donc voilà. Bon, là, nous allons parler de SCP-106. Oui, vous me direz. Mais attendez. Mais attends, Gan59, il vient pas d'un jeu. Eh bien, oui, je crois bien qu'il vient d'un jeu. Je ne sais pas si vous le connaissez. Le jeu, mais si vous le connaissez, dites-le moi dans les commentaires. C'est Outlast, il me semble. Si je me souviens bien, on dirait pas le personnage de Outlast. Attendez, je vais vous faire un zoom. Donc c'est SCP-106 là. Attendez, est-ce que vous trouvez pas? Regardez sincèrement. On est d'accord. C'est le même. Bref, voilà. Oh là là, c'est quoi cette dinguerie? Donc, si on regarde SCP, on clique et là, regardez, fondation SCP, tout simplement. Objet, donc là, c'est un objet, soi-disant. SCP, classe Keter. Keter, ça veut dire quoi, ça, j'en sais rien. Ouais, regardez-moi ça. Est-ce que vous voulez savoir un truc vraiment flippant? Un agent, je sais pas quoi, parce qu'ils ont flouté, bien sûr. Agent, nanana. Après avoir été libéré par SCP-106-1.106, le sujet est resté vivant une heure après sa libération. Mais après, qu'est-il devenu? Je ne sais pas, mais si vous voulez vraiment savoir des choses vraiment flippantes sur ça, n'hésitez pas à me le dire et tout simplement, on essayera d'enquêter sur des choses vraiment paranormales dessus. Et là, je vous ferai vraiment une grosse vidéo. Là, nous allons voir SCP-1471. On dirait pas une tête de loup-garou, s'il vous plaît, ça fait flipper ou pas? On est d'accord. Donc voilà. Vraiment là, je vous jure, j'ai juste des frissons à en parler. Et ouais, j'en tremble. Du coup, les amis gamers, gameuses, si vraiment vous voulez un jour savoir quelque chose dessus, eh bien, tout simplement, on essayera de découvrir des choses vraiment flippantes dessus. Ok? Attendez, mais c'est pas SCP. What? Si? Je sais pas, bref. Attendez, je vais vous montrer un SCP vraiment terrifiant, il me semble. Un dangereux. Oula! Non, c'était même pas un dangereux, je pense. Attendez, oui, on dirait un être humain.
Regardez-moi ça. Oh, ça fait flipper. Sincèrement, ça fait juste flipper. Regardez-moi ça. C'est vraiment un SCP. Waouh. C'est The Ever Living Man. OMG. Regardez-moi ça. Bon sang de bonsoir. C'est un truc de dingue. C'est flippant, mais c'est terrifiant. Mais pourquoi nous avons une sorcière? Je sais pas, c'est flippant. Si vous voulez vraiment savoir plus, vraiment, si vous voulez savoir des choses sur SCP, si vous voulez vraiment qu'on fasse une enquête, n'hésitez pas à me le dire. Et le samedi prochain, je ferai une enquête dessus, tout simplement. Et vous verrez aussi ma tête. Parce que là, tout simplement, j'ai changé. Donc, je ne peux pas vous montrer. Mais si vous voulez voir ma tête, allez sur mon live TikTok qui va être ce soir, tout simplement. Moi, je vous dis à plus et à bientôt pour pourquoi pas faire une enquête si vous voulez le samedi prochain. Je vous fais une. Je vous jure, il y a un truc. Est-ce que vous avez entendu le bruit ou pas? Oh, je vous jure, j'ai des frissons de ouf là! Là, c'est plus que des frissons! Regardez-moi ça! Je vous jure, il s'est passé un truc! Je sais pas pourquoi j'ai entendu un bruit, ça fait. Ou je sais pas quoi! Mais pas comme. Ouais, je vous jure, c'était flippant là! Regardez, oh là, je vous jure, je suis. Ah, on va arrêter la vidéo là-dessus! Mais si vous voulez vraiment une enquête, donc sur SCP. Je vous fais la prochaine fois, le samedi prochain, une vidéo sur SCP. On va essayer de faire. D'enquêter et tout, vous inquiétez pas. Je vous dis à plus. Salut tout le monde. Bye.